18h30 hier soir à Brive, les forces de l'ordre procèdent à des contrôles préventifs. Vous avez prévu de passer votre réveillon Ah non, je rentre à la maison. Rentre à la maison. Oui, je rentre à la maison. D'accord. Le couvre-feu n'a pas encore débuté. Les policiers veulent s'assurer que chacun connaît les règles pour cette soirée de la Saint-Sylvestre. On va manger quelques huîtres, boire un verre avec mon ami, mais on fait rien du tout. On applique les consignes et si on veut s'en sortir, c'est primordial. Peu avant le couvre-feu, réunion des troupes au commissariat. On va commencer un premier contrôle sur le boulevard du Ferry. Contrôle routier en point fixe, patrouille à pied, il faut organiser le terrain. Dehors, il est 20h, les rues se vident. Premier contrôle en centre-ville et première verbalisation. Un homme sorti acheter des cigarettes, sans attestation. Un peu plus loin, ces automobilistes sont en retard. Il y avait de l'attente à la station essence. Ils ont fermé une station essence. D'accord. Et du coup, ils en ont laissé qu'une ouverte. D'accord. Il y avait un monde pas possible. Vous êtes arrivé à quelle heure à la station ? Tolérance pour cette fois, ils ont un motif valable. Bon réveillon à vous aussi. Les policiers repartent. Voilà, sur la voie publique, on est là aussi pour faire régner l'ordre et les règles, mais on fait preuve aussi de discernement dans des conditions pareilles. Cet homme, lui, marche seul dehors, sans raison ni attestation. La sanction tombe, doublée d'une amende pour non-port du masque. Bon, vous allez faire l'objet d'une verbalisation, monsieur. 135 euros. C'est la troisième verbalisation en une heure. On rabâche nuit et jour qu'à partir de 20h, c'est le couvre-feu et on se rend compte, évidemment, que ce n'est pas toujours respecté. Les équipes de nuit ont continué à être sur le pied de guerre jusqu'au petit matin 6h, à la levée du couvre-feu.